La discipline n'est pas neuve, mais à Val d'Isère, elle était tombée dans l'oubli. En 1992, en effet, Coco Basile avait été un représentant avalin de celle-ci aux Jeux Olympiques d'Albertville. Le club des sports vient de remettre au goût du jour le KL, une épreuve simple de vitesse pure où dans une pente vertigineuse, on essaie d'établir un record de vitesse. Pour cette première édition complète, après le test pendant les animations des 20 ans des Jeux Olympiques il y a quelques jours, 131 concurrents se sont présentés au départ de la compétition. La vitesse maxi a été enregistrée à plus de 110 km/h. Elle a été réalisée par Clémentin Passeron, âgé de 17 ans. L'épreuve s'est déroulée, symbole oblige, à deux pas de la vasque olympique sur la mythique bosse à Catiard qui avait servi de dernier chousse pour les descendeurs des Jeux de 1992.